Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore mon casier. Finalement, j'ai changé d'emplacement de mon casier. L'extérieur reste toujours pareil. Comme ceci, une belle porte de bois. Alors, quand que je rouvre, j'ai installé un porte-manteau, comme ceci. Donc, sur le premier, ici, il y a ma longe. Et derrière, il y a ma cravache et mon manche à aiguille. Ensuite, au fond, il y a mes chaps. Et j'ai mis mon porte... bride. Et bien évidemment, il y a ma bride. J'ai une muserolle simple. J'ai ma muserolle haute. Dans le fond, il y a une deuxième paire de reins. Et juste ici, il y a mon frontal, comme ceci, calé avec ma bride muserolle croisée. Ensuite, sur cette étagère à droite, la grosse bouteille noire, en fait, c'est une grosse bouteille de chasse moustique. Ici, c'est Omega Alpha, un échantillon Respect Free que j'ai reçu chez Greenheart à un moment donné. Que je ne me suis pas encore servi, parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, j'ai mon shampoing avec mon revitalisant. Un entonnoir pour transvider mon chasse moustique, donc la grosse bouteille noire qui est dans le fond, c'est un autre chasse moustique. Ici, c'est un Chaplais Original MTG. Donc, c'est un produit que j'ai récemment acheté pour la repousse des poils et autres bienfaits pour le cheval. Je vous en redirai des nouvelles. J'ai ma graisse à cuir, j'ai ma chaudière avec deux éponges, mon couteau de chaleur, mon savon glycériné en liquide, des sacs plastiques, ça peut toujours être utile, mes bonnets. Voilà. Si on descend d'un étage, à droite, ici, il y a mes guêtres bleues, mes protège-blé Bourgogne, à peu près. J'ai ma box, ma poney box de Noël, donc tout mon ensemble de Noël. On voit mes deux trépieds, ma bombe avec des gants, bois de Kleenex, un monster, mais ça c'est pas important, des rudos pour grignoter. un sac de friandises, ma casquette et un autre sac pour les protège-blés que j'ai mis en gantrie. Et il y a ma cravache. Et de chaque côté, comme ceci, j'ai mis tous mes licoles que j'ai pour le moment. Voilà. Donc, je descends encore d'un cran. Sur le porte-ciel, bien évidemment, j'ai pas encore de ciel, mais ça va venir. Donc, j'ai mis tous mes tapis, mais là, pour le moment, j'ai beaucoup de tapis à la maison qui sont que j'ai lavé, qu'il faudrait que je ramène. Donc, pour le moment, j'ai mon tapis vert de dressage et mon tapis de Noël. Ma sacoche, ma sangle, mon amortisseur. Sur la planche de bois ici, je mets ma paire de guêtres noires, mes protège-boulets noirs et mes autres guêtres, je vais y arriver, Bourgogne. Ensuite, si je descends d'un cran, il manque un sac pour mes tapis sales. Donc là, c'est encore des Doritos, des cochonneries. Là, j'ai un autre sac pour mettre des tapis ça. Donc, si on descend, j'ai des canettes vides que je ramasse. Ça, c'est un détail. Ensuite, ici, j'ai ma boîte de pansage. Je vais vous laisser un lien. J'en ai fait plusieurs, donc je ne vous la remonte pas. J'ai mes boots. J'ai ma boîte à lunch. Derrière, j'ai un sac avec... beaucoup de choses qui ne servent à rien pour le moment. J'ai un sac avec des pantalons des pantalons de neige pour l'hiver que j'ai plus besoin. Et tout au fond, il y a mon sac à bottes de longue. Donc, en gros, c'est à ça que ça ressemble mon casier. Voilà.
Donc voilà, il va me manquer une selle et éventuellement je vais m'acheter un bac pour les concours, mais je vous ferai une vidéo à part. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo va vous avoir plu. Si le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner et on se retrouve très prochainement dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde!